Chorus Effet. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 17 juin 2024. Le chorus est un effet audio visant à produire un effet d'ensemble similaire à celui d'un chœur de chanteur ou de plusieurs musiciens jouant la même note. On le retrouve de manière naturelle dans des instruments à cordes doublées, mandoline, bouzouki ou piano, ou dans certains jeux de l'orgue à tuyaux. Il est produit par le battement de deux ou plusieurs notes aux fréquences très proches. À partir des années 1950, il est reproduit de manière électronique sur les orgues Hammond, puis intégré dans des synthétiseurs. Le chorus devient un effet audio embarqué dans des amplificateurs, des chambres d'écho à bande magnétique, des racks, puis des pédales d'effet dédiées à partir de 1976. Aujourd'hui, on le trouve sous forme analogique, numérique, DSP, ou bien dans des logiciels plug-in. Il permet à partir du son sec d'un instrument unique d'obtenir un son plus épais et ample. Le chorus est généralement obtenu en additionnant au signal d'origine un même signal légèrement retardé, entre 20 et 50 millisecondes, et dont la hauteur est légèrement modifiée de manière cyclique, avec un oscillateur basse fréquence, et les faux. De par son fonctionnement, il est proche du flanger et du vibrato. Une autre technique consiste à désaccorder légèrement le signal avec un processeur numérique et à le superposer au signal d'origine. Cet effet détune gagne en popularité dans les années 1990. À l'origine monophonique, le chorus peut inclure plusieurs voix modulées séparément afin de créer une stéréophonie. Le chorus est notamment utilisé sur la guitare électrique, le piano électrique ou le synthétiseur. Cet effet a été très employé dans les années 1980, devenant un élément incontournable de la musique pop et rock de cette période, et reste encore aujourd'hui populaire. Étymologie. Le mot chorus provient du latin chorus, repris notamment en anglais, signifiant chœur. L'objectif de cet effet est de reproduire le son créé par plusieurs chanteurs ou musiciens jouant la même chose. Troisième partie, principe. Chorus naturel, dans un chœur. Le chorus est l'effet de plusieurs musiciens jouant la même note ensemble, avec de petites variations de hauteur qui entraînent des annulations de phase. Deux notes de hauteur très légèrement différentes, jouées en même temps, produisent un seul son qui vibre. Dans un chœur, les voix se mélangent et les variations de hauteur créent de nombreux battements. Il est en effet impossible pour la voix humaine de chanter parfaitement juste. En général, la plupart des voix oscillent de 10 à 20 cents. Au-delà de 3 chanteurs, se crée alors naturellement un effet chorus. Voici un extrait audio d'une minute 23 d'un chœur bulgare interprétant le polychronion. Lorsque plusieurs personnes chantent la même note, un effet naturel de chorus apparaît. Instruments de musique. L'effet chorus est également produit naturellement par les instruments à cordes comme la mandoline, le bouzouki, la guitare à 12 cordes ou tout autre instrument ayant des cordes doublées. La différence de hauteur entre chaque corde entraîne des vibrations créant un son riche et vivant. On retrouve un effet similaire sur un piano où chaque note est produite par 2 ou 3 cordes. Sur les pianos désaccordés, piano bass-string, l'effet est particulièrement audible. Voici un extrait audio de 10 secondes. Joué sur un bouzouki irlandais, l'effet chorus est produit par des cordes doublées, accordées très légèrement différemment.
Enfin, dans un orgue à tuyaux, la voix céleste produit un chorus. Les tuyaux de ce jeu sont accordés légèrement plus haut que le diapason, et le battement entre les deux produit un chorus lorsqu'il est joué avec un autre jeu de gambe normal. Voici un extrait sonore de 20 secondes de voix céleste dans un orgue à tuyaux qui produit un effet de chorus. Doublage, enregistrement. Une technique appelée doublage consiste à enregistrer une mélodie interprétée plusieurs fois par le même musicien et de mixer ces enregistrements ensemble. Cela permet de simuler un chœur sans avoir à moduler le signal. Le doublage repose sur l'effet AS. Le résultat sonore produit est très différent d'un chorus classique. On peut obtenir un effet de chorus naturel en enregistrant deux fois le même instrument, mais en variant légèrement l'accordage de ce dernier entre les prises. Voici un extrait audio de 30 secondes avec 4 pistes de guitare électrique superposées, 2 étant légèrement désaccordées par rapport aux autres, ce qui produit un chorus naturel. Chorus à bande. En enregistrant un signal sur une bande magnétique, puis en le dupliquant sur une autre bande jouée à une vitesse légèrement différente, on obtient un effet de chorus, même si cette technique a surtout été utilisée pour créer un flanger. Chorus basé sur la modulation d'un delay. Fonctionnement. Dans un chorus analogique au numérique, le signal provenant de l'instrument est doublé et passé à travers un delay de 20 à 50 millisecondes, dont le temps est modulé par un LFO. Cette variation temporelle fait varier la hauteur du signal. La valeur du delay oscille de part et d'autre d'un point fixe. Cette technique peut être appliquée plusieurs fois en parallèle avec des réglages différents pour obtenir un nombre plus grand de voix. Le signal de sortie s'obtient en mixant tous ces signaux avec le signal original. Sans le signal original, dry, l'effet obtenu est un vibrato. Voici un extrait audio de guitare électrique avec chorus. Un arpège est d'abord joué sans effet, puis avec un chorus à la guitare électrique. Et maintenant, voici un effet chorus sur une basse électrique. Maintenant, voici un chorus avec différentes formes d'ondes, son clair, puis chorus avec onde sinusoïdale, puis onde triangulaire, et enfin onde carrée. Voici maintenant un chorus sur un pad de synthétiseur. C'est un chorus stéréo sur un synthétiseur. Chorus pour guitare sur amplitube. Réglage. Selon les marques et les modèles, les réglages disponibles peuvent varier. Mais le plus souvent on retrouve la vitesse, rate. Il s'agit de la vitesse de la modulation. La plupart des chorus ont un LFO oscillant entre 2 et 9 Hz. La profondeur, depth. Il s'agit de l'amplitude de la modulation.
c'est-à-dire de la force du vibrato du signal modulé, hauteur maximum atteinte. D'autres réglages supplémentaires incluent le temps de retard, delay time ou lag, c'est le délai en millisecondes qui sépare le signal original et le signal modulé. Le nombre de voix ajoutées, chorus size, c'est le nombre de signaux modulés ajoutés au signal original. Le mix, il s'agit de la balance entre le signal d'origine et le signal modulé. Un mix à 100% produit un vibrato. Un mix à 0% un son clair. Pour avoir le chorus le plus prononcé, il faut régler le mix à 50%. Certains chorus permettent de choisir la forme d'onde du LFO, sinusoïdale, triangulaire ou carré. Enfin, certains chorus offrent également une section d'égalisation. Un chorus peut être mono, mais pour obtenir un effet plus large et plus ample, il est souvent stéréo, soit en pseudo-stéréophonie, soit en véritable stéréo avec deux ou trois voix distinctes. Certains chorus proposent une sortie sans effet et une sortie avec effet, donnant l'illusion d'une stéréophonie. Néanmoins, un chorus véritablement stéréo contient en général plusieurs LFO à des vitesses différentes, voire avec un temps de retard différent, et parfois des annulations de phase. L'objectif est de réduire l'aspect cyclique d'un seul oscillateur basse fréquence. Réalisme et utilisation. De par son fonctionnement cyclique, le chorus n'arrive pas vraiment à simuler plusieurs instruments jouant en même temps. Les chorus analogiques produisent également un filtre en peigne. Une solution pour pallier ces problèmes est d'utiliser un pitch shifter et de transposer de quelques cents le signal. En stéréo, cela peut donner une illusion de profondeur. Toutefois, le chorus est devenu un effet à part entière et garde son utilité pour rendre un son plus ample, plus large ou plus gros. Utilisé sur un son de piano numérique, le chorus peut aider à obtenir un son désaccordé de piano bass string. Le chorus est également utilisé sur des voix, notamment pour renforcer les harmonies vocales. Sur les guitares et les claviers, il permet d'enrichir la texture des instruments. Chorus basé sur le changement de hauteur, pitch shift. Sur un synthétiseur, il est possible de reproduire un chorus avec deux oscillateurs en désaccordant légèrement l'un d'entre eux de quelques cents. Un demi-ton équivaut à 100 cents. Il est également possible de rajouter plusieurs oscillateurs pour obtenir un chorus plus ample. Sur certains synthétiseurs, on peut ainsi ajouter 16 oscillateurs, chacun accordé légèrement différemment des autres. Enfin, on peut superposer plusieurs oscillateurs avec différentes formes d'ondes, triangulaires, carrées, sinusoïdales. Cela permet d'obtenir un son plus riche, chaque oscillateur pouvant lui-même être désaccordé pour donner un chorus très large. Cette même technique est utilisée dans l'effet détune, désaccordage. Un pitch shifter désaccorde le signal de quelques cents et le rajoute au signal initial. De cette manière, il n'est pas nécessaire d'utiliser un LFO. Il est possible de régler la différence de hauteur très précisément, en dessous ou au-dessus du signal original, et le son produit reste constant. Le détune préserve davantage la clarté du son par rapport au chorus classique. Cet effet a d'abord été créé par Eventide, avant d'être incorporé dans certaines pédales d'effet à partir des années 1990, comme la Whammy de Digitech. Il a notamment été utilisé par Eddie Van Halen. Certains processeurs de chorus utilisent également l'algorithme PSOLA, Pitch Synchronous Overlap Add, créé à l'origine pour la synthèse vocale et permettant de changer la hauteur d'un signal. L'effet produit comporte moins d'artefacts que le chorus classique. Voici un effet de chorus produit par trois oscillateurs légèrement désaccordés entre eux. Histoire. Premier chorus électronique. Orgue Hammond, années 1940-1950. Les premiers chorus électroniques apparaissent sur les orgues Hammond après la Seconde Guerre mondiale. En effet, ces orgues électroniques produisant des notes parfaitement justes étaient critiqués pour leur manque de réalisme par rapport aux orgues à tuyaux où existent de subtiles différences de hauteur entre chaque tuyau. Pour y remédier, un nouvel ensemble mécanique de notes accordées légèrement différemment des autres tuyaux, appelé Chorus Generator, a d'abord été ajouté aux orgues Hammond en 1935. Cet effet a ensuite été remplacé par un trémolo électronique, faisant varier cycliquement le volume.
Après la Seconde Guerre mondiale, un véritable chorus est installé sur les orgues. Un circuit électrique fait varier la hauteur des notes et est mélangé au signal original. Cela permet de réduire drastiquement les coûts par rapport au chorus generator. Solina String Ensemble, 1974. En 1974, le synthétiseur Solina String Ensemble incorpore un effet chorus afin de recréer le son d'un ensemble à cordes. Cela reste toutefois une exception parmi les synthétiseurs des années 1970. Voici un extrait audio d'une minute 40 du synthétiseur ARP Solina String Ensemble. Chorus analogique, de 1975 à aujourd'hui. En 1975, Roland intègre un chorus dans son amplificateur Roland JC120, nommé Jazz Chorus. À l'origine, l'objectif est de permettre au claviériste de se passer de chorus sur un synthétiseur, mais l'amplificateur est rapidement utilisé par les guitaristes. Face au succès du JC120, Roland décide de sortir une pédale d'effet reprenant le même circuit de chorus, la Boss CE1, qui sort en 1976. En 1977, Roland sort également la RE301 Chorus Echo, une machine à bande magnétique produisant du delay et du chorus. Le signal original est ici copié sur une bande, puis lu avec un décalage de plusieurs millisecondes en même temps que la bande originale, ce qui produit le chorus. Face à l'encombrement du CE1, une version compacte est créée en 1979, la Boss CE2. Elle devient l'une des pédales de chorus les plus célèbres. La Boss CE3 lui succède avec deux sorties stéréo. Le dernier chorus à bande de Roland sort en 1982. L'époque est au rack et aux pédales. D'autres entreprises emboîtent le pas et construisent leur propre modèle. Voici un extrait audio d'une minute de la Boss CE3, une pédale de chorus analogique stéréo. Le mode 2 sépare le vibrato du signal original. Le mode 1 produit un chorus des deux côtés. À la fin des années 1970, Electro Harmonix sort la Small Clone, une pédale de chorus dotée d'un seul potentiomètre de vitesse et d'un switch pour changer la profondeur. Cette pédale devient très populaire dans les années 1990, grâce à son utilisation par Kurt Cobain de Nirvana.
On le retrouve par exemple dans la chanson « Comme un suard ». Ces pédales de chorus sont dites analogiques. L'effet est produit par des puces BBD, Bucket Brigade Device, les mêmes utilisées dans les delays analogiques. Certains chorus, comme la Boss DC2 Dimension C ou le Roland SDD 320, utilisent un circuit plus complexe avec deux lignes de chorus analogiques et un renversement de phase. Cet effet, plus subtil qu'un chorus traditionnel, est largement utilisé dans les studios d'enregistrement dans les années 1980. Le chorus devient un effet embarqué dans les synthétiseurs à partir des années 1980, améliorant les sons de piano et de cordes. Le chorus devient alors un effet très utilisé dans la musique rock et pop, notamment avec les claviers et les guitares électriques. C'est un élément central du son des années 1980. Chorus numérique. À la fin des années 1980, des chorus numériques apparaissent sur le marché. Ainsi, le CH1 Super Chorus, lancé par Boss en 1989, qui était analogique, devient numérique à partir de 2001. Contrairement aux chorus analogiques, à la sonorité assez chaude et feutrée, les chorus numériques reproduisent des fréquences aiguës plus fidèlement. Cela explique également l'arrivée des contrôles de tonalité ou d'égalisation sur certaines pédales, afin de retrouver le son des chorus analogiques. Ces chorus fonctionnent avec des microprocesseurs DSP. La complexité des chorus augmente, certains appareils comme le Sony DK Chorus incluent jusqu'à 10 lignes de chorus différentes, chacune paramétrable individuellement. Effet similaire. Le chorus est très proche du vibrato, effet qui ne comporte que le signal modulé, et le flanger, où le signal de sortie est réinjecté en entrée, produisant un effet de filtrage en peigne balayant. Ces trois effets sont basés sur la modulation d'un delay de quelques millisecondes, moins de 10 millisecondes pour un flanger, entre 20 et 50 millisecondes pour un chorus, et sont perçus comme étant similaires par les auditeurs. Ils sont généralement classés parmi les effets de modulation. Il est possible d'utiliser un flanger de manière à sonner comme un chorus. C'est le cas d'Andy Summer de The Police sur les morceaux Walking on the Moon ou Message in the Bottle, qui utilise un flanger Electric Mistress d'Electro Harmonix. Voici un extrait audio de 30 secondes où l'on entend un chorus, puis un vibrato, puis un flanger à la guitare électrique en son clair. En réglant le chorus à une vitesse élevée et une faible profondeur, il est possible de s'approcher de l'effet d'une cabine Leslie. Toutefois, ce dernier est plus complexe qu'un chorus et utilise l'effet Doppler, entraînant des modifications de phase en plus des variations de hauteur. Voici une comparaison entre un chorus rapide en mono et une simulation de cabine Leslie en stéréo sur le même amplitude. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse gnu.org/licence/fdl-1.3.html.